Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal, édition 62. Dans une lettre ouverte adressée aux différents prisonniers des centres d'incarcération du pays, la Commission épiscopale nationale Justice et Paix dit déplorer le fait que la majorité des personnes en détention en Haïti, soit 72%, n'ont jamais eu la chance de se présenter devant leur juge naturel, une situation très préoccupante pour la directrice de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix. Jocelyne Colanouel dénonce par la même occasion l'attitude des autorités haïtiennes qui n'ont jamais pris les mesures adéquates pour améliorer les conditions de vie des prisonniers à travers le pays. Suivons Jocelyne Colanouel. Les nous considérer qui j'en situation prison à garde à vie dans le pays, nous devons dire société nous en dit en pile depuis au monde dans détention ou soit dans prison. C'est comme si il pas gain aucune considération encore pour monde. Nous à ça les nous garder moun yo pile sou pile dans cellule yo. Dans pays ya yon détenu pa gen dépassé yon mètre carré ou li a pas comme espace pour vivre dans cellule. Pénitencier national la compte dépassé 4500 détenus à prisonniers kap vivan dal. Pi fò moun ki nan détention pa jam jwenn chance passer devant juge naturel yo nan tan la loi mandé. L'État pas organisé assistance juridique, j'en la loi mandé ça. Manque juge pour faire enquête. L'État, ça veut dire Conseil supérieur pouvoir judiciaire et ministère de la justice, pas organisé tête li pour renouveler mandat yo, lè yo fini. Nan prison yo, nan pays ya, sous chaque 100 moun qui nan détention, 72 la de yo a jam jugé. Ça c'est chiffre nous gagnen pour 21 juillet 2015. Pi mal toujours dans Port-au-Prince plusieurs moun joine libération yo dans tribunal mais commissaire gouvernement pas signé exécutif pour libérer ça c'est une violation droit moun grave yo fait moun sa yo sibi nous pas comprendre attitude négligence ça nous exiger gouvernement lage moun qui dans situation ça comme ça doit prison pour ti moun yo dans Delma 33 à condition ti moun qui dans prison yo a vive à travers pays ya pas trop différent ak jan sa ye pou grand moun yo selon sa commission an constaté. En général ti fi yo pa gen yon espace à part pou yo yo mete yo nan même cellule avec femme grand moun. Si tout nous constaté autorité dans l'état pa jam fè rien pou définir yon politique pou organiser prison yo correct dans tout pays là. Jean Forum citoyen pour réforme la justice mandé ça. Jean nous bien comprendre nous-mêmes qui dans détention, dans prison ak nous-mêmes qui jouit liberté dans société là, qu'est sensible pas remplacer justice. Li pas encourager impunité ak manque responsabilité. Qu'est sensible là prend l'autre monde nan qui en face li a tant kou yon moun pareil li. Même si li c'est l'ennemi au soir l'elle te fait ça pas ça pour nous même qui dans détention ou dans prison qu'est sensible veut dire société a doit respecter nous comme monde même s'il prend sanction pour un acte nous te fait ou bien les yo kembe nous pour permettre yo faire enquête sur nous pour nous même qui dans détention ak dans prison qu'est sensible veut dire tout prend conscience qui conséquences mauvais actes violence vol viol à kidnapping gagné sous moun dans société a l'enté fait moun souffrir faut que nous accepter yo pini nous faut nous capable demander pardon et puis faire réparation c'est ça dignité comme moun mandem. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix attend avec impatience le rapport final de la commission d'évaluation électorale formée par le gouvernement haïtien en vue de faire la lumière sur les cas de fraude et d'irrégularité enregistrés lors des élections présidentielles du 26 octobre 2015. La directrice de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix, Jocelyne Colanouel, a par ailleurs fait savoir que la présence de maître Gédéon Jean dans la commission d'évaluation électorale indépendante n'engage pas le secteur de défense des droits humains dans son intégralité. Jocelyne Colanouel. Commission Jusac Lapel, il était dans l'observation électorale, il était fait quatre positions publiques pour l'été exprimer
ça l'était ouais, ça l'était comprendre ni dans processus électoral là, ni ambiance dans environnement et organisation élection yo, l'était attiré attention sous divers problèmes qui te gagnent dans processus électoral là et en même temps dans journée vote yo, l'était fait des recommandations by autorité yo qui concernait donc kounia. Nous avons une crise électorale qui est capable de péter après 25 octobre. La, et la crise électorale ça mené dans la mise en place d'une commission qui pour faire évaluation et ça qui est passé pour faire vérité, pour faire lumière dans le problème et crise électorale, la, tout ça qui est passé pendant le processus. La. Donc, nous avons, ici ça que la même l'attend et rapport commission et qui a dit qui ça qui est gagné. Qui problème qui te gagné et puis qui ça qui doit faire pour capable et ben joindre bout crise électorale là de toute façon faut être capable gagner yon bagaille yon structure qui mette en place pour te capable permettre aider ouais clair dans crise électorale là qui gagne kounia et secteur li même li gon jan li te ouais bagaille là te capable faire mais c'est pas seul parole secteur à tout qui t'est capable de passer donc il y a différents autres acteurs qui ont même tout t'est gagné parole par tout dans question donc finalement commission a metté sous pied est-ce qu'il y a une division dans secteur à par rapport avec choix non pas une division RNDDH c'est une organisation qui dans secteur doit mouna. Mais RNDDH grand monde RNDDH li capable décider lui-même s'il a rentré dans bagaille avec s'il pas rentré dans bagaille donc dans cas commission RNDDH par l'entremise et directeur exécutif li était d'accord pour lui entrer dans commission donc kounia li rentré dans commission bon kounia travail la kounia li pas un travail ou organisation qui dans secteur droit moun li pas travail et GD en gens li se travail une commission 5 moun donc on a ces commission 5 moun nan qui li même kounia qui doit société à rapport y compris secteur droit moun nan donc pour et puis plus gouvernement qui t'a mandé pour commission mettre sous pied et qui t'a fait salter connait pour commission mettre sous pied donc on a commission li doit tout acteur ça yo rapport li doit yo et c'est ça n'attend et c'est ça nous souhaiter tout secteur yo attend qui ça cap sorti dans rapport que commission a bail et ça nous croit que et suite et question élection ou bien ça pour venir après ya, nous même nous souhaiter li dépend de ça cap sorti comme recommandation dans travail commission évaluation indépendance. Des dizaines de partisans et sympathisants de l'organisation politique Famille Lavalas étaient dans les rues de Port-au-Prince ce mardi. Les manifestants continuent de protester contre les résultats définitifs de la présidentielle publiée par le CEP. Les protestataires exigent la formation d'une commission de vérification indépendante devant faire le jour sur ce qui s'est réellement passé le 25 octobre 2015. Dans la foulée, ils s'insurgent énergiquement contre les dernières déclarations de l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Peter F. Mulrin. Le diplomate américain, rappelons-le, a fait savoir qu'il n'a pas encore vu les preuves des allégations de fraude massive qui auraient entaché le scrutin présidentiel. Suivons à tour de rôle Franz Large, Louis Gérald Gilles et Magali Lacroix. Manifestation, c'est le peuple haïtien qui a dit rejet à manipulation, ça a fait avec même complot de mafia nationale, avec une mafia internationale, pour fouler dit pays en bas pied. Nous trouvons que son acte profond. Dérespect envers le peuple haïtien que un ambassadeur de puissance étrangère capable de rester pour la pape avaliser malpropre de passer, n'est-ce pas, ni dans le premier tour, ni dans le deuxième tour élection ça. C'est un complot pour capable de mettre le peuple haïtien dans une situation côté ça au besoin qui l'a peuple haïtien, parce que nous connaissons les réserves du peuple haïtien nord, le pétrole du peuple haïtien. Le iridium de Jacmel,
toute richesse peuple haïtien, yo ka prendre li pour ka fouer la poche. Mais même gens que au carrefour de la vie nationale, que ce soit en 1804, que ce soit en 1915, que ce soit en 1986, que ce soit en 1990, le peuple haïtien triomphe de 8000, une fois encore, le peuple haïtien soudé a triomphé de 8000, que ce soit des criminels qui n'ont pas haïtien, que ce soit des mafias qui viennent de l'étranger pour replonger le pays en esclavage. Parce que ça, c'est fin job Christophe Colomb, fin voler en nous et replonger le pays en esclavage, tout simplement. Commission d'évaluation qui met des campés pour évaluer le processus. Commission qui n'a absolument aucune légalité, commission qui crée une légalité littéralement par même monde qui fait voler. Donc, nous recusons la commission ça. Et nous déjà connaissons qui est la commission ça par la veille. Son commission qui n'a aucune légalité, son commission que même monde qui fait voler, c'est lui créé. Donc, nous nions toute légalité commission ça. Son commission qui n'a pas existé pour nous. Nous demandons au conseil électoral pour traduire dans le tribunal, pour foutre dans la prison. Parce que les gens, c'est des gens que placent, ce n'est pas siéger dans le tribunal électoral. Les gens placent, c'est dans la prison. Parce que ça, il mérite prison. On ne peut pas arrêter pour prendre un job député avec sénateur. Et puis c'est dans l'auction, c'est la crée publique. Ça va plus comme c'est les bails. Je dis, manifestation, ça, au contraire, c'est détermination nous qui renforcer. C'est conviction patriotique là qui renforce. C'est conviction de monde qui croit la démocratie qui renforce, qui fait nous là. Demain, nous là encore parce que l'enfinitant des ambassadeurs américains, l'enfinitant de l'Union européenne, nous avons senti réflexe esclavagiste là. Lila Kaimounio, nous mettons en tête, yo, blanc dit c'est ça. Blanc dit mourir, c'est pourtant c'est faux. Ambassadeur a dit moi dit irrégularité. Et mais c'est la même logique là. L'ambassadeur américain agit avec indécence, avec arrogance, alors que c'est dit, il dit peuple haïtien que peuple, vous êtes en train de mentir. Et pourtant c'est le contraire. C'est lui-même qui a menti. C'est lui-même qui a menti parce que Nabdil était au courant de combien de scandales de corruption qui étaient éclatés. Même s'il n'est pas un pays, mais l'ambassadeur américain est au courant. Il est au courant de combien de candidats ni élus ni pas élus qui baille l'argent pour ne pas faire corruption, pour ne pas faire fraude pour yo. Nous prenons la rue pour nous demander en commission de vérification indépendante, en concertation avec tout secteur, pour nous lancer sans tabulation, pour nous découvrir menti. Mais ça qui là, nous ne pas reconnaître parce que nous connaissons menti, c'est consolider, on vient consolider coup d'état électoral. Je dis en 29 décembre, nous toujours avons réclamé même bagaille, parce que nous connaissons le peuple qui est sorti 25 octobre qui a voté président le Tevle. Et nous, à grand monde, nous avons retiré le président de Naméo. Il y a pas ou pas. Et je dis à nous toujours là, nous avons demandé même bagaille là. Côté moi-même qui suis un candidat à la famille Lavalas pour mairie Delma, côté 4 la famille Lavalas, Delma, avec Jean-Marc Son Guerrier, gagné l'élection. Hein? Monsieur Wilson, je dis payer l'argent, il a acheté l'élection. Hein? Et je dis à nous avons demandé vérification, là pour ni magistrat, ni pour député, ni sénateur, ni président. Nous c'est ça. Une commission de vérification. Oui, indépendant. Processus oui, sous tout processus honnête. Ce n'est pas seulement président, ce n'est pas seulement président qui a l'élection, c'est toute entité qui a l'élection. Fraude l'a fait tout côté. Et il y a dit nous, fraude massive l'a fait plus toujours dans le magistrat. Nous comptons ces résultats qui sont pour la commune d'Elma. Oui, nous comptons ces. Nous avons BCN pour aller dans BCN. Ensemble avec le magistrat Wilson jeudi. Le collectif des élus victimes du CEP a une nouvelle fois dénoncé les derniers résultats des élections du 9 août et du 25 octobre. Raphaël Apollius et Jean-Baptiste Anthony Dumont, membres du collectif, demandent aux membres de la commission d'évaluation électorale indépendante de se pencher sur l'ensemble du processus électoral dans le but de faire toute la lumière sur les élections déjà réalisées. Suivons-les au micro de Télégalaxie. Nous-mêmes, même collectif, pour nous demander pour Nex Sayo, pas rentrer dans le Parlement selon la loi, et faut enquête la mener, commission vérification, faut remettre une enquête là, nous déjà remettre documents, nous, pour être capables de faire vérification pour nous, dans le procès verbal, nous sommes reprochés, nous ne sommes pas superviseurs.
33 bureaux dans la circonscription, moi j'ai 3 seuls membres de BV. Une dans la première section, une dans la deuxième, une dans la troisième. Cela veut dire que la caille m'a gagné 11 bureaux de mon seul membre de vote. On seul membre BV. Messieurs, vous avez gagné 5 superviseurs. Tout le temps que vous faites quelqu'un vient de tourner contre vous, je vous dis à vous prenez comme on a intérêt pour dire que c'est nous-mêmes, moi-même qui te fait quelqu'un, vous avez dit, nous n'avons pas de preuve, aucun côté n'a gagné incident. Je vous dis à nous demander, voie légale qui est dans le pays pour faire suivi question ça. Pour ouvrir, moun sa yo coupable, ni moun ki baye l'argent, ni moun ki prend l'argent, faut moun sa yo ta juger selon gens yo met le pays a en deuil. Preuve que m gagné pendant mi c'était pas au prince, par sympathisant, t'a fait moyen aux États-Unis pour faire comme ça bal, ni Lili madame li yo te git en fait qui le message là, baye partisan là, ça faut le dire, nous mettre te poser et toujours chauffer par n'a baye cob. Pour nous gagner, et nous déjà déposé comme ça. C'est dans la bouche propre, mon aïe. Non, BCN, c'est là que la fête. C'est là que tout dit le fait. Alors, mon qui t'essaye, même ça que je ne peux pas comprendre. Ou venez une visionnaire de Méro, qui était même KEP secrétaire général, bah, il passe en présence, li. Il n'y a pas de preuve tangible. Et puis, même avec ça, au signé, il y a tous six personnes qui étaient siégées dans le tribunal, dans la chambre droite, c'est qu'avec un greffier. Nèg yo signé pour ba monsieur gagné yo plaqué même demande avocat monsieur fait pour annuler les dispositifs verbaux monsieur a 30 gagné 628 ans en plus monsieur après yo fin traité pour procès verbaux 33 sur 33 journée aujourd'hui pour monsieur gagné 30 droits vote en plus moi comme quoi il fait 2000 il fait 2225 moi m'a venir faire 2191 et puis nèg yo plaqué décision, je vais mis gagner sans aucune brève. Mes amis, soyons sérieux. Nous vivons, c'est sous terre que nous vivons, nous ne pas vivre au bas la mer. Nous connaissons que, eh bien, post-électif, ça y est, vous avez vendu ces couets, patates que vous avez vendu. Là où vous venez dans le BCEN, ça, eh bien, où est coutier, vous côté où, dites-vous que, ah, ma fort bon, vous débouquez comme. Ah, ma fort un tel, oui, ma fait un tel, oui, vous débouquez comme. Eh bien, c'était comme ça. Eh bien, les gens qui réussissent et non yo dans la sélection ça qui sélectionné, eh bien, les gens qui sont soit ou bien sous bannière PHTK, ou bien sous bannière bouclier, et ou bien yo baïkob. Yo refusé tout le monde qui n'est pas dans la catégorie moun sa yo accès à centre de tabulation. Eh bien, nous réunis, yo dit que Pisega est pas fait cum, eh bien, pour nous capables de défendre droit nous. Nous, qui j'en ai défendu à nous, première démarche que nous faisons, nous faisons correspondance, nous écrit commission indépendante. Pour nous faire connaître que, eh bien, 25 octobre là, il n'est pas concerné seulement l'élection présidentielle. 25 octobre là, c'est l'aboutissement du 9 août. 25 octobre là, c'est, Mdaka Abdoula, prolongement 9 août. Et nous connaissons bien 9 août qui s'acte gagné. C'était tout. C'est gagné tout l'autre bagage sauf élection. Eh bien, nous dit que nous faisons première démarche, nous écrit commission indépendante, nous faisons connaître que, eh bien, magouille, opération de fraude ça qui était faite là, ce n'est pas faite au profit de M. Jovenel Moïse seulement, c'est faite au profit de tout candidat PHTK, au profit de tout candidat bouclier yo, au profit de tout candidat et bien corrupteur yo, qui t'a bay kob yo. Et bien nous dit que nous mandé pour yo réévaluer processus électoral là, leur dit processus électoral là, donc il s'agit de élection présidentielle, élection législative et élection collectivité yo. Donc nous bay dossier nous dit que pour yo réévaluer li moun ki pat dans cette tabulation pour permettre yo qui aller yo pas ka enlever yo droit ça. Ils ont violé l'article 176-1, ils ont violé l'article 171, ils ont violé l'article 178, et bien nous demandons application à l'article ça. Deuxième démarche que nous entreprenons, et bien nous sommons le Parlement, nous sommons la présidence, nous sommons primature, nous sommons toute notre instance pour nous dire, nous interdire pour être capable de publier. Résultat, soi-disant résultat ça yo, en vertu de l'article 188 du décret électoral qui dit que
eh bien, moun sa yo apprend investiture, c'est après les résultats des élections. Or, donc si n'ap gade bien, élection, processus là, li en cours, mais li pas encore fini. Le on dit pour ça, en cours, li pas encore fini. Gagné une trentaine de communes, côté que élection te gâté, donc yo nan deuxième tour. Donc, nous pas comprendre qui marché pressé qui gagné pour yo capable courir, publier, soi-disant, donc résultat ça yo. Plusieurs dizaines de directeurs d'école et d'enseignants impliqués dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire ont manifesté pacifiquement ce mardi 29 décembre devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour réclamer le versement de la troisième tranche du Fonds d'éducation pour l'année académique 2015-2016. Les protestataires menacent d'intensifier leur mouvement en vue de contraindre le ministre de l'Éducation, Nesmu Maniga, a respecté ses engagements. Suivons quelques-uns de ses directeurs d'école. Deux ans dans la rue, on n'a jamais touché. Eh bien, c'est la permanence qui est décrétée. Nous, dans la rue, nous ne pouvons pas quitter 7 février pour gang ça avec la jambe sugoa. Nous mobiliser, nous sommes dans la rue jusqu'à ce que le directeur de tout le pays, quel que soit côté lié, Tiburon, Tobek, Chantal, dans le département de l'Artibonite, faut directeur touché parce que ils ont collecté 650 millions de dollars dans appel avec transfert. Ministre des Zigue qui débloqué pour nous. Qui s'est passé jusqu'à date nous pas comme ça. Matin, telle fois intervenu sur Radio Caraïbes. Il dit c'est pas tant. Il dit c'est pas tant nous pas gagner qu'il faut nous pas toucher. Nous-mêmes, c'est avec stupéfaction parce que nous pas connu qui institution qui va pas tant puis voler. Il y a volé matin midi soir nous pas connu qui connaît pas pas tant. Nous signons un contrat, notre contrat nous signons, pas de question patente là-dedans. Ok? Pas de question patente dans le contrat. Deux ans, où doit espace, où doit professeur, pour un jambon qu'on dégât. C'est inacceptable, c'est la permanence qui a décrété, nous ne pouvons pas quitter Gagnon avec la genou. Qui compte nous prêts pour arriver à un mouvement là? C'est un mouvement côté que 1er janvier, nous allons aller devant palais, devant primature. Si nous ne pouvons pas faire l'année ça, nous ne pouvons pas rentrer la caille nous. Parce que nous devons espace, nous devons professeur et directeur, c'est pas rien et tout. Nous avons en pile menti. Il y a des bails sur directeur d'école qui cause un directeur d'école là qui est victime. Matissan, un directeur, un professeur Piquel. Parce que le pack a touché et le ministre dit qu'il paye déjà. Par contre, le bagage ça a dit, je suis obligé de démentir. Et maintenant, le directeur général du ministère là, qui a parlé matin, monsieur dit, depuis qu'il est avec le dossier complet, dans 6 jours, il a payé. Ça, c'est menti. Il y a un directeur d'école qui a gagné plus de 3 mois depuis qu'il a déposé le dossier. Il y a un dossier perdu. Il m'a dit, il a porté encore. Il a porté, il a perdu. Et m'apprendre, pour traiter un dossier ça, 5 dossiers pas qu'à traiter pendant une journée. Par contre, je dis, depuis votre dossier dans 6 jours à venir. Pour quand c'est l'école qui a un programme, je me sens que je ne comprends pas ça. Je me sens que je manque de compétences. Et je n'ai pas de volonté. Moi, comme si pays ça, je n'ai pas d'éducation de qualité. Je ne vais pas côté la passer pour le faire. Parce que, vous venez en fin d'année, messieurs, un monde qui passe tout le temps sa travail pour ne pas toucher. Directeur tel fort dit matin, depuis que vous dossier, dans 6 jours à toucher. Qui est comme pour le pays. Si on va payer, c'est au pavé. Demain, c'est froid. Et nous ne pouvons pas avancer avec eux. Et nous ne pouvons pas entrer en 2016 avec M. Sayou. Il en a quitté la rue. Jusqu'à ce qu'il paye tout directeur d'école. Nous-mêmes, dans UDEF, qui c'est l'Union des directeurs d'école privée d'Haïti, nous prenons le soin, nous négocions avec les responsables ministères. Nous chitons à parler avec lui. Moi-même personnellement, le 16 novembre, moi chitons avec le ministre Maniga deux concerts avec deux autres directeurs. Maniga va nous garantir le 10 décembre au plus tard la paye. Pour comprendre, où doit 2013-2014 certaines écoles, où doit 2014-2015, et nous-mêmes dans UDEF, nous soumettons les 168 écoles. 168 l'école nous soumettre l'isla. Oh, jusqu'à présent, on va payer une là-dedans. Oh, ça qui est plus vexant, monsieur Telfox, c'est directeur général du ministère là. Sans caractère, sans scrupule. Je ne vais pas penser ça pour Telfox, qui était collègue professeur dans l'école de Port-au-Prince. Pour Telfox camper maintenant sur Radio Caraïbe, pour Telfox dire, c'est parce que l'école ça n'a pas gagné patente.
Tu as une question de patente à donner. Quelqu'un ne peut pas comprendre. Donc, les matériels, c'est déclaré. Next ça, on a un gouvernement, il y a l'école pour avoir menti. Son preuve tangible. Ce n'est pas seulement Rothschild qui devrait parler. Il devrait parler tout de Maniga. Il devrait parler de Telfort. En effet, nous-mêmes, présence là ici, nous ne pouvons pas faire acte de vandalisme. Mais nous venons camper là pour nous dire qu'il faut que nous payions nous, aller à pas clôturer ça, on va payer nous. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à tous et à toutes qui l'avaient suivi.